gratifying parts of managing this event. You know, those are tough situations on those farms, but I've been amazed at the number of compliments we've received from the producers about CFIA staff, their professionalism, their dedication, long hours in some really, really cold temperatures, and the producers have had very nice things to say about CFIA. And then likewise, my staff talking about those same producers. Again, those are stressful, hard situations. And I hear time and time again from my staff how warm and hospitable and welcoming the producers are. They've remarked a number of times that the producers are so appreciative that we had people really come from all across Canada to come to their farms and help them in the dead of winter. En Alberta, je suis allé là pour une période pratiquement d'un mois. Je suis parti le 27 novembre et je suis revenu le 23 décembre, juste avant la période des fêtes. On partait vers les 7h30, 8h pour les fermes. On avait environ une heure et quart de route pour certaines équipes à faire. Et arrivé sur place, c'était les prises de sang, des tests de tuberculine. Et on était toute la journée, sans exception, à l'extérieur, à du moins 25, moins 32 degrés. On en a eu. C'était des conditions assez dures. Pour les tests, une injection puis une prise de sang, là, il faut avoir de la dextérité. Il faut savoir ce qu'on fait et il faut voir où on pique. Et le problème qu'on a eu, c'est que les injections, le liquide, il ne fallait pas qu'il gèle. Les tubes de sang, qu'on appelle les viales, il fallait qu'on les tienne au chaud pour que l'air soit encore chaud pour le vacuum se fasse lors de la prise de sang. Les aiguilles, certaines fois, gelaient. Par la suite, un coup que le sang était rendu dans les éprouvettes, il fallait le mettre au chaud assez rapidement pour pas qu'il gèle dans l'éprouvette. Donc, le froid a fait en sorte que, pour plusieurs, c'était des maux de tête. On devait tester entre 12 et 15 000 bovins qui avaient eu contact avec le troupeau souche ou le troupeau initial où on avait trouvé des vaches positives. Pour ce qui est du test de la tuberculose, c'est une injection de tuberculine qu'on injecte dans le pli caudal et par la suite, on retourne 72 heures après. Alors, s'il y a une réaction, on met l'animal réacteur et à ce moment-là, l'animal était marqué d'un X et il était envoyé à l'abattoir. Quand on a fait nos visites initialement de ferme, de suivi d'épidémiologie, il fallait comme essayer d'expliquer. Puis ces gens-là étaient vraiment en détresse parce que demain matin, ils ne savaient pas ce qu'on ferait avec les animaux. Leur donner comme directive qu'il fallait que les animaux soient abattus, bien écoutez, c'est pas évident pour eux autres. C'était pas une partie de plaisir, c'était pas mal du désarroi plus que d'autres choses. Il y a des fois qu'on se retenait parce que de voir du monde de même, là, c'était pas... C'est très difficile sur le plan humain de voir des familles en détresse